Sophie Wilmès quitte le Palais Royal avec un statut de formatrice du prochain gouvernement. Mais on sait déjà que la même équipe restera à la barre. Une solution trouvée à l'issue de la réunion d'hier. L'équipe gouvernementale sera soutenue de l'extérieur par 7 autres partis pour gérer la crise liée au coronavirus et disposera des pouvoirs spéciaux pour prendre des décisions rapides. Avec des pouvoirs spéciaux, un gouvernement peut adopter des textes, des arrêtés royaux, qui vont avoir la même force qu'une loi et qui vont pouvoir compléter, abroger ou modifier la législation existante, et ce, sans passer par la procédure parlementaire qui peut être un peu longue, sujette à débat et qui donc, pour gérer certaines crises, n'est pas forcément adaptée. Des pouvoirs spéciaux limités à la lutte contre le coronavirus et au soutien économique aux entreprises et accordés pour une durée de 2 fois 3 mois maximum. Et le gouvernement de plein exercice, mais toujours minoritaire, associera les 7 autres partis au processus de décision. Les 7 partis qui seront en dehors du gouvernement ne disposeront pas de ministres et donc ne seront pas en principe conviés aux délibérations du Conseil des ministres, etc. Alors cependant, ils ont quand même exigé des garanties. On raconte qu'ils seront invités au CERN, donc au comité des ministres restreint, que chaque parti aura son représentant, ce qui veut dire que les 10 partis, en fait, donc les 7 partis non gouvernementaux et les 3 partis gouvernementaux, géreront la crise de manière commune, même si 7 partis n'auront pas de ministre. Une situation inédite donc pour une crise sanitaire qui l'est tout autant.